Salut, salut les amis, c'est Fut for Fun, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo défi création d'équipe DCE live avec la carte de Lars Stindl POTM de Bundesliga avec sa carte à 86. Bon, il a une belle carte de MOC, il n'y a rien à dire. Par contre, la vitesse, c'est assez problématique. 4 étoiles de geste technique, 4 étoiles de mauvais pied. Rendement du joueur moyen, il fait 1m81. Et ouais, sa vitesse, c'est pas ça du tout. Donc la carte chasseur s'impose. Enfin, peut-être pas forcément chasseur, mais le plus 5 en vitesse, c'est obligatoire. Accélération 73, vitesse 62. Placement offensif 91, finition 87. Puissance de tir 91. Tir de loin 89, volée 92, penalty 90, vista 93, centre 82, précision de coup franc 76, passe courte 90, passe longue 79, effet 85, agilité 74, équilibre 86, réactivité 91, conduite de balle 90, dribble 85, calme 90. La défense, on va dire que c'est moyen. Précision de la tête 72, c'est la seule carte verte qu'il y a. Et au niveau du physique, 79 en détente, 82 d'endurance, 76 en force et 81 d'agressivité. Donc la carte, honnêtement la carte est pas folle, elle est belle. Mais ouais, la vitesse, après c'est un MOC quoi, il n'y a pas à chier, c'est un MOC. Donc il y a deux DCE à réaliser. Le premier coûte 21 000, le deuxième coûte 18 000, donc 39 000 crédits. Pour Lars Stindl, vous récupérez un pack premium or et un pack joueur mélangé. C'est pas avec ça que vous allez vous refaire, je vous le dis, mais on sait jamais. On sait jamais. Pour ceux qui font des packs pour Atucci, regardez, et pour Atucci, on ne sait jamais. Donc, Borussia Mönchengladbach, on va commencer par celui-là. 21 000 crédits pour ce DCE-là. Il fallait un joueur du Borussia Mönchengladbach. Un joueur de l'équipe de la semaine. Il est là et il est de Mönchengladbach. Une note générale à 82, un collectif à 70. Ben, les amis, c'est une vraie Bundesliga. Vous pouvez changer plein de trucs, hein, honnêtement. Vous pouvez mettre Javi Martinez. Enfin, des 81, c'est pas ce qui manque. Des 80, c'est pas ce qui manque non plus. Après voilà, au niveau des gardiens, moi j'ai mis Radeki, vous pouvez mettre aussi comment il s'appelle, Castils, vous pouvez mettre Trapp, vous mettez qui vous voulez, honnêtement assez simple ce DCE là. On commence avec Yiri Pavlenka, Lars Bender, Lucas Radeki, Oliver Baumann, Marcel Alstenberg, Kevin Campbell, Konrad Leimer, Pavel Kaderabek ou n'importe quel joueur à 80 de général qui joue en Bundesliga. Même pas en fait, même s'il ne joue pas en Bundesliga, c'est pas grave. Jonas Hoffmann, la version boost à 81. Max Kruse. Et on termine avec Andrei Kramaric. Donc voilà les amis, pour le premier défi, 21 000 crédits, on passe à Bundesliga. 18 000 crédits, il fallait un joueur de Bundesliga. Moi j'en ai mis quelques-uns, j'en ai mis 4. Une note générale à 83, un collectif à 65. Donc les amis, vu que les prix des 83 ont commencé à baisser, on met 9 joueurs à 83 dans ce DCE-là et 2 joueurs à 82. Et on est bon. Donc les amis, il n'y a pas grand-chose à changer, honnêtement. Déjà, Mandanda, vous mettez qui vous voulez du moment où il y a 83 de général. Après, on touche rien du tout. Allez, on commence avec Kevin Trapp, Lars Bender, Lucas Radeki, Koen Castils, Jan Vertonghen, Steve Mandanda, Renato Augusto, Paulinho, Rafa, Oscar. Et on termine avec Marco Arnautovic. Donc voilà les amis, un peu moins que 40 000 crédits pour récupérer la carte de Lars Stindl, le POTM
de Bundesliga. Si vous le faites, je pense pas que vous soyez nombreux à le faire parce qu'elle est vraiment pas folle. Mais ça peut intéresser certaines personnes. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai fait. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Ça fait toujours plaisir. Nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant les amis, prenez bien soin de vous. Ciao et merci.